Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, c'est Moti955 et on est comme je vous l'ai promis il y a quelques temps, je vous avais dit je vous ferai le secret et je vous le ferai. Sauf que là aujourd'hui, j'ai quelques indices. On est en train de le faire avec l'équipe. Aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, je n'ai que la Mystiresse. Comment ça va? Ça va être là. Bah ouais, Salut super. les autres! En espérant que sa connexion ne merde pas, parce que sinon on ne m'entend plus et elle non plus. Vous ne verrez plus que ma tête et le jeu. Vous n'entendrez plus rien. En vrai, ils verront quelque chose, hein. Voilà. Non, bah c'est le principe. J'espère que ça va pas bugger. En tout cas, on va vous présenter quelques petits trucs vite fait qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Malheureusement, je vais vous expliquer tout ça. Le tout, c'est de commencer la vidéo, enfin lancer la partie. Mais avant de ça, je rappelle que vous êtes, j'ai toujours mon concours Gameoniac. Je veux le rappeler à chaque vidéo que je fais. Mais voilà, au moins, il y a le concours Gameoniac. Vous allez sur ma chaîne, tout simplement, vous abonnez, vous jouez. Il y a le lien généralement du concours dans la description généralement de toutes mes vidéos. Mais attention, c'est chaque mois, donc chaque mois ça change. Donc généralement, vous prenez toujours la dernière vidéo. Et logiquement, vous allez dans la description de la dernière vidéo, vous avez le concours. Bon, bref. Sur ça, bah c'est bien. Maintenant, on va commencer vite fait à lancer la partie. C'est vraiment pour expliquer, c'est un petit début, je ne sais encore rien. Et je vais vous demander aussi de l'aide en retour. Parce que, bah, ils l'ont fait plus coriace, j'ai l'impression, ce zombie. Hein, On galère, on... hein? F, Oh. hein. Ouais. On galère pour trouver le secret. Ça Voilà. fait depuis que le jeu est sorti. Je cherche quelque chose pour le secret, mais je ne le trouve Voilà, oui, on ne le trouve pas. Par contre, pas. on sait quelques petits trucs déjà qu'on a réussi à débloquer nous-mêmes, à savoir nous-mêmes. Et jusqu'à là, le secret n'est pas encore fini, bien entendu, mais on en est même loin. Mais on connaît déjà quelques petits détails. Je vais tous vous expliquer maintenant. D'ailleurs, pour ceux-là qui l'ont, bon, vous savez qu'il y a la bête. Pour ceux-là qui l'ont pas encore le jeu, et ben voilà, je vous le dis tout de suite, il y a la bête et ma batterie est faible de ma manette. Comme ça, je suis dans la merde et comme ça, je suis une femme. Donc, pour tout vous expliquer, voilà la Mystigresse qui est très 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 moche avec un tatouage sur le. Comment ça va? Attends, aïe, où ça va? Darko, dégage. Alors, Darkos, c'est son chien. Bon, tu t'occupes des zombies, je vais expliquer, hein. Donc voilà, vous voyez la petite lumière violette, et bah, c'est tout simplement pour devenir la bête. C'est malheureusement une malédiction que nous a envoyé Shadowman. C'est Shadowman, c'est. Et ben, bah, je sais pas. Il est parti. J'en sais rien. Bon, bah, je vais vous montrer vite fait la bête. Tu m'ouvres le. Voilà, bah, super. Comme ça, il y a ma ouvert. Voilà, vous devenez la bête. Tout simplement, vous cassez tout ce qu'il y a à casser. Là, c'est une boule. Je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a un temps limite. Je sais plus combien, mais il y a un temps limite. Voilà, vous Le temps cassez tout ce limite, qu'il on y a n'a à pas son casser. écran, c'est un truc vert là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que le temps limite, tu le vois, c'est un truc vert Oui, sur voilà, ton c'est le écran. temps limite avec la petite barre, et voilà, je l'ai plus comme ça. Bon, bah, elle s'occupe des zombies, c'est très bien. Voilà, on Oui, va mais il faut aller. les garder. Il faut garder deux. Ouais, on va en garder deux comme ça, ça sera très 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 bien. Et comme je vous l'ai dit, moi, quand je vais vous faire le secret, je vais vous le faire entièrement, et non pas qu'à moitié. Tiens, je vais prendre le x2. La Mystigresse, à son tour, va vous montrer un petit peu en prenant. Bah voilà, ça c'est des nouveaux trucs. C'est des gros méchants que j'aime pas du tout. Non, non, ceux-là ils sont pas gros méchants. Le gros méchant c'est celui-là à trois têtes. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Alors attends, hein. Ça c'est les traîtresses. Voilà. C'est quand tu trouves une pièce Donc, pour. nouveauté aussi, c'est les go-go-gum. Attendez, parce que elle s'occupe pas des zombies. Je suis obligé de tout faire là-dedans, hein? Bah c'est Voilà. toi, mais regarde, ils sont attirés par toi, en plus c'est une femme. Voilà. C'est en fait des atouts. Les bubblegums, c'est des atouts. Enfin, vous allez voir, on peut y revenir même
Dans le menu, vous avez plein d'atouts en les prenant là. Ça, c'est 500 bubblegum. C'est 500, je sais pas, euros, dollars, comme vous voulez. Dollar. Dollar. Et de toute manière, vous en avez à tout va. Donc, ça a rien à voir avec le secret. Avant toute chose, je vais vous montrer pour le pack-à-punch. Le pack-à-punch, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Oui et non. Ils l'ont fait un peu compliqué à mon goût. Mais bon, maintenant qu'on l'a découvert, on va vous expliquer vite fait. C'est très simple. Vous reprenez la bête. Alors, il y a un deuxième truc là-bas. Vous en avez plusieurs. Bah, la Miss Grace, vas-y, viens. Elle va devenir la bête. Et vous allez voir où est-ce qu'elle va monter. Je vais la suivre, comme ça tu vas pouvoir le faire, logiquement. Hein. Vous vous mettez là, il y a un crochet, et à chaque crochet, voilà, hop là. Et elle va aller tout droit, enfin elle va monter les escaliers, et elle va se faufiler là-bas, comme ça, tac tac tac, hop, voilà. Et elle va sauter là, et un coup de jus sur le truc là-bas, comme vous voyez, et ça ouvre un escalier. C'est très simple. Tu es toujours là? Ouais, Ouais, je suis toujours ok. là, je Non, mais t'écoute. ça faisait un énorme silence dans le casque. Bon, c'est pas grave. Bon, vous allez là, et ensuite, vous regardez ce que vous avez là. Une table. Et là, la table, alors logiquement, la Miss Tigresse a installé 2-3 trucs, a pris 2-3 trucs. Quand vous avez pris la bête, logiquement, ça fait tomber. Enfin, il faut casser. Je sais Tu veux plus. que j'explique? Tu veux que Hein? j'explique? Parce que je Okay. vois que tu es en Oui, train de voilà, t'embrouiller vas-y, explique, là. explique. En fait, vous voyez la boule du début? Il faut la prendre. En fait, c'est une clé. Et je. Suis-moi. Oui, je te suis. Je vais vous montrer où est la deuxième pièce. Et en fait, il faut la prendre pour aller la mettre là dans la pièce en Voilà, haut. ok, oui, il y avait une pièce ici Et. qu'on a Non, cassée, ouais. la boule, et ensuite il y en avait une deuxième qui était là. Il faut activer ça. Il faut activer ça, la pièce va tomber, on va les prendre et il va y avoir les Voilà. traîtresses qui vont Voilà, tuer. y a un truc à activer. Comme tout à l'heure, je vous ai fait voir, il y avait un truc à mettre un coup de jus. Et en fait, ça a fait tomber une caisse qui était crochée en haut. Et qui a. Oh là, bonjour monsieur. Et qui nous a donné en fait la pièce, tout simplement. Et maintenant, ces deux pièces-là, on va les assembler pour faire justement Le un. rituel. Le rituel. Le rituel. Une fois que vous avez assemblé les deux trucs, c'est très simple. Vous allez avoir des gros méchants, des spectres, comme on a vu tout à l'heure, Des vous allez voir. traîtresses. Mais je vous conseille de. Vous n'êtes pas obligé de les tuer. D'accord, ok, merci la Miss Tigresse. C'est très gentil à toi de te faire tuer comme ça. Regardez, il y a un bonhomme. Il y a un bonhomme qui tourne. Oh, putain, bonjour monsieur. Qui tourne en rond. Voilà, bonjour. Bonjour. Ah ben voilà, on est mort. Super. Super. Bravo. Les On est specs, bien ils sont mort. arrivés morts en 2 manches. Voilà. Hein? C'est très compliqué maintenant, hein? Bon bah je crois que ta vidéo tu peux la refaire hein. Non, non, non! Non! On va. Bah vas-y, tu sais quoi? Tu prends la bête directement. Non, non, je reste pas sur un échec. Je reste comme ça, en vidéo. L'échec fait partie de la vidéo, c'est normal. On est tout à fait. On va dire qu'on est en live. Ouais. Oui, mais dès que le rituel normalement est fait, on reçoit une larve, ce qui sert à aller activer pour le pack-à-punch. Et il en Voilà. faut quatre. Et Voilà. mais si vous êtes que deux, vous devez quand même faire les quatre rituels si vous voulez aller dans la porte en dessous où on vous montrera tout à l'heure. Oui, j'ai pas dit tantôt parce que sinon les gens ils vont se demander ce que ça veut dire, tu vois. Oui, voilà. En fait, c'est une belge, comme vous le savez, comme l'italien, mais de toute manière, l'italien, vous l'avez entendu 50 000 fois dire tantôt. Tantôt, ça veut dire tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, j'ai beaucoup de Belges qui m'écoutent. Hein. Y a pas Ouais, ça va. de. Donc, Des y a même des Canadiens. Te dire Québécois. des Québécois, ouais, des Canadiens, J'adore leur accent. ah ouais. C'est Donc, vrai. on est reparti. L'échec fait partie du jeu, hein, malheureusement. Et donc, on va refaire. Bon, c'est ridicule d'avoir de s'être fait tuer à la deuxième manche, mais en même temps, hein, je suis pas mort le premier. Hein. Ça va, mets tout sur ma faute. Bah, exactement, je mets tout sur ta faute. Ah, du coup, je vais faire la bête, moi. Vas-y, vas-y. Fais d'abord. Voilà. Je vais récupérer la petite boule, vous voyez.
clé d'invocation, comme ça, ça vous permet de vous de voir tout. Vous devez m'aider. Oh, bonjour monsieur. Hop là, au revoir monsieur. T'as activé le... Non, t'es parti directement là-bas. Ok. Mais oui, mais j'ai pas eu le temps parce que tu m'as bloqué. T'as réussi à débloquer l'escalier? Oui, l'escalier, j'ai débloqué, mais c'est... Ouais, c'est... Pour la pièce. Ok, bah vas-y. Non, tu peux plus. Bah non, c'est à toi de le faire. Comme ça, tu leur montres. Oui, bah je leur ai déjà montré, t'inquiète pas. au premier truc, tu sais. Hein. Bon, voilà. Alors, ensuite, vous allez là. D'abord, vous... Sans oublier le petit coup d'électricité. Ça, c'est pour ouvrir l'atout, je crois. Exactement. Et puis là, vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, hop, ici. Et ça va faire tomber la caisse qui est là. Voilà, vous voyez. Et ça, vous voyez, vous pouvez aussi... je sais plus où il fallait se placer, je me rappelle plus. Il y a les traîtresses. Tout le monde vous laisse tranquille. Vous avez l'air d'un monde. Ah, voilà. Il y a ces gros méchants, là. Ouais, tu t'en occupes bien, ça va, tu gères. Ouais, ça va, tranquille. T'as récupéré les deux pièces? Oui. Bon, et ben voilà, on va pouvoir enfin faire le rituel sans se faire tuer, bien entendu. Je vais prendre une arme, on sait jamais, hein. Vu comme c'est parti tout à l'heure, voilà, le petit rituel. Au moins, j'aurai moins de mal, quand même, avec cette arme. Ah mais vas-y, il me donne des criaques. Hop, hop. Alors il faut faire attention, hein, le zombie il apparaît dans les flammes là, de temps en temps. Mais c'est toi qui les tue là. Je l'ai pas tué, le zombie. Oui mais tu tues des traîtresses. Oh, voilà. Regardez là. Il est derrière toi. Oh bah, merci de me le dire assez vite, hein. Je vais te dire, il est derrière toi. Donc voilà, la larve elle l'a prise forcément. Et moi je vais passer par là, vu qu'elle se fait chier avec le zombie. Moi je vais pas me faire chier avec le zombie, hein, du tout. Je vais passer par là, vous pouvez passer directement là. Et hop, ça vous atterrit là. Alors, voilà, donc maintenant vous en avez 4 autres, enfin 3 autres à faire. Et donc vous en avez une par là. Donc on va pas tout vous montrer, c'est juste vite fait, hein. Voilà, ici, vous en avez une par là. Et vous en avez une par là. Et une autre par l'autre côté. Voilà, et une autre de l'autre côté. On va suivre la Miss Tigresse, vu qu'elle court plus vite que moi, parce que je suis un vieux monsieur qui a du mal à courir. Et par là. De toute façon, on va ouvrir par là, de toute manière. Tiens, voilà. Ah bah non. Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah bravo ! Voilà. Félicitations, avec voilà. Un zombie, t'arrives à mourir. Bah, excuse-moi, j'ai pas vu qu'il me suivait de près. Hein, désolé. Ah, bisous. Voilà, bah, reste là. On va tuer les quelques zombies qu'il y a. Et puis, je vais vous expliquer. Donc, Bubblegum, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va en reprendre un parce que ça fait du bien. Ça tient bien les bonbons. Donc, voilà, un petit bonbon. Hop, c'est bon pour la santé. Et devant tout le monde, et voilà. Et je peux l'activer quand je veux. Je pense. Pendant 20 minutes. Hein. Il est actif pendant 20 minutes. On se laisse voilà, un petit zombie. Je pense que c'est le seul. Et il faut savoir que Triarch nous a fait quand même un zombie hyper difficile. J'ai l'impression plus difficile que les anciens. Voilà. Donc vous voyez, pour en revenir un petit peu au secret. Alors, il faut savoir que tout ce, les rituels, tout ça, ça ne fait pas partie du secret. Hein. Enfin, ça, c'est pas forcément le secret. C'est aussi, c'est surtout le merde. Je cherche le nom. Aide-moi, s'il te plaît. Le pack à punch. Le pack à punch, voilà. Merci. Le pack à punch, voilà. Et donc, du coup, c'est long à faire. C'est plus ou moins long à faire parce qu'il y a les portes à ouvrir, les manches à faire, s'occuper des zombies, faire le rituel, c'est très très long finalement. Et en plus du secret, et ben c'est très très long. Donc déjà, je vous montre une petite partie. Donc voilà, c'est déjà bien. Ensuite, pour le secret, vous avez autre chose. Vous avez un premier truc qu'on a découvert. C'est que, voilà, vous voyez ce cercle. Et ben, il va être... vous allez devoir invoquer... je sais pas...
comment, La enfin, bête. ouais, une bête, voilà, une bête Bah, c'est la bête. à trois têtes, une bête à trois têtes, en fait, alors je sais pas encore comment on peut invoquer, je ne sais pas encore totalement tout, mais je sais qu'on invoque un truc, une bête, et du coup, l'icône, enfin le cercle, va s'illuminer de rouge. Et une C'est la fois bête à ça, trois têtes? ouais, c'est la bête à trois têtes qui va arriver là. Ok. T'en as plusieurs même. Et des cercles, je crois que vous en avez trois. Trois sans abuser. Bah, vas-y, viens. Je vais montrer le troisième. L'autre se trouve. Attendez. Oui, je vais vous montrer d'abord l'autre. Il se trouve. Ah, mais je vais. Il faut ouvrir la porte. L'autre cercle, il se trouve derrière. Là. Il se trouve là. Par là. Je Je reviendrai plus crois, tard. ou par là, ou je sais plus. Ah non, ah non, c'est là. Ça, c'est le zombie, le zombie, le zombie. Ah oui, mais il m'énerve ce zombie, hein. Tu peux encore ouvrir là, je crois? Non, j'ai pas assez. T'as pas assez. Eh Il me ben, manque 10 points. tu peux te faire des. Ce n'est qu'en invoquant la Voilà. plaie Oui, Maintenant, tu j'ai peux aussi. assez. Le tuer aussi. C'est effectivement. Voilà, vous avez un deuxième cercle ici. Voilà. Ensuite, vous en avez un troisième qui se trouve de l'autre côté qu'on va pas ouvrir aujourd'hui parce que j'ai très peu de temps devant moi et c'est très très long à ouvrir. Il faut faire des manches, des machins, des trucs et autres. Moi On là-bas, irait c'est. pas leur montrer la pièce là, en bas où il y a le truc à pack à punch? Oui, je. Mais d'abord, je voudrais leur montrer l'endroit qu'il faut passer. Donc c'est ici. Vous ouvrez, vous avancez. Au bout d'un moment, mais c'est très grand. Donc au bout d'un moment, voilà. Donc vous ouvrez. Il y en a un autre. Donc, mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment les invoquer. Donc c'est d'une des choses. Je Deuxième pense truc que, qu'il faut vu qu'il y savoir. a certaines moches, il y a des gros là. Les gros monstres, ils viennent à partir de certaines moches. Et aussi, tu peux les invoquer quand tu fais le rituel, il y a toujours un monstre. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, autre chose, mis à part ça. Attends, j'ai deux, trois petits zombies face à moi. Voilà. Vous voyez, vous avez aussi des plantes. Il y a tellement de choses à vous expliquer en 2, 3, en 5 minutes. Vous avez des plantes. Vous avez, pour ces plantes-là, vous avez ce qui s'appelle. J'en ai une plus près. Vous en avez plusieurs, hein. Je sais même plus où ce qui est. Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher l'autre. Vous en avez plusieurs mis un peu partout. T'as pris le fumigène, toi, qui se trouvait à l'entrée? Oui. Oui, bah voilà. En fait, vous avez un fumigène qui se trouve posé sur la grille, là, logiquement. Ah non, moi j'ai pas pris celle-là, moi. Ben, je l'ai Moi j'ai pas, pris. celle-là. Je l'ai pas, logiquement, j'en avais trouvé une. Peut-être qu'il bouge, en fait. Peut-être que ça bouge. Ouais, non, il y a trois emplacements. Bah du moins quatre avec celui-là. Ah, putain, les deux d'un seul coup. Surtout, prends pas la bombe. Bah oui, ben je sais. T'as pris lequel, toi, en fait, fumigène? J'ai pris celui Ah, voilà. de. J'en ai Attends. récupéré un, c'est bon. En fait, c'est pas un fumigène, c'est un fumigateur. Ça, c'est un drôle de. Mais moi, je l'appelle le fumigène. Et vous voyez, une fois que vous arrivez devant la plante, vous pouvez l'ouvrir avec le fumigène. Attention, parce que ça lance des grenades. Oh putain, ouais, effectivement. Bon, vous avez le choix de l'ouvrir quand elle est verte. Mais vous pouvez aussi attendre qu'elle tout simplement qu'elle mûrisse et qu'elle devienne rouge. Et en fin de compte, ça va donner soit des pièces Non. pour le secret. Non. Non? Pour l'épée, il faut attendre qu'elle soit mauve. Ah, bah merci. Merci la Miss Tigresse. De rien. Donc parce qu'elle peut être rouge et ça va donner des armes. Ouais. Non, ben non. Ah Là aussi, ça si. peut donner des armes. Si, ça donne des En armes. fait, je crois que quand elle est rouge, en fait, ça donne Des armes. des munitions. Bah ouais. Je suis sûr et certain. Ça donne des armes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon bah voilà, donc il y a déjà ça. Deuxième chose, autre chose. Vous voyez ces petites lumières? Vous en avez une là, en verte. Oh là, putain, il court lui. Vous en avez une deuxième qui se trouve ici. Une rouge. Et une jaune qui se trouve là-bas. En fait, ça correspond aux couleurs des atouts. Voilà, merci, super. Donc le rouge,
correspond à Masto. Le vert à tour de passe-passe et le jaune à double coup. Qu'est-ce que j'aime bien quand on se complète comme ça, hein. Ouais, t'as vu. voilà. Donc, autre chose pour le secret. Pour le secret, et bah, tout simplement, on va aller au métro. Donc, on a découvert 2-3 trucs. Ah, je voulais voir. Hein. Bon, je le verrai plus tard. Je crois qu'on a une pièce à récupérer un peu plus loin. C'était par là, sur un fauteuil, un truc comme ça. Oui, il y a le bouclier aussi à monter. Ouais. La pièce en général, elle se trouve toujours près du trait. Bon, il est un peu pas de collant, il est un peu pas de colle, cette meuf-là. C'est pas grave. J'avais envie de tousser parce que. Oh putain. Elle est où? C'est moi qui l'ai. Ah, super. Ah, mais pas la pièce. Alors, logiquement, sur des fauteuils, logiquement, dans ce genre de fauteuil-là, vous regarderez, je sais pas, il y a un sur ces fauteuils-là. Il doit y avoir une pièce. On sait pas encore à quoi elle correspond, mais. Sûrement au secret, mais là il n'y est pas, je vois qu'il n'y est pas, et ou alors c'est moi, d'autres sur fauteuils. Ce fauteuil-là, j'ai trouvé le fumigateur, je sais pas quoi là. Ah bon? Ah bon, bah voilà, c'est ça alors. Donc désolé, hein, je tousse en même temps parce que ça mérite la gorge. Parce que j'ai mangé des chips et ça mérite la gorge. Donc ensuite, bah, tout simplement, on va aller au métro, hein, ça te tente. On va aller découvrir ça. Ou alors, on peut ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir avec la bête pour... Allez, tu, on va aller au métro. On va aller au métro? Ok. Ouais. Tu sais qu'il y a une corne... Ah non, c'est bon. Ah, mais on n'est pas rescassé. Ah non, c'est pas ici, c'est l'autre. En fait, j'ai vu, et j'ai parlé avec mes potes, pour l'ordre des symboles qu'on va voir, il faut rentrer dans le métro qui est déjà là, en fait. Et tu commences par là et puis tu suis les symboles. Mais il faut le trouver. Ah, l'autre métro. L'autre entrée de métro, c'est ça? Ouais, où le métro il est, en fait. Où il est garé, tu vois. Donc, en fin de compte... Putain, tu bugs. Je crois que tu bugs énormément, mais c'est pas grave. Ouais, mais finalement, l'autre métro, en fait, il se trouvait assez loin. Très très loin, même. Ouais. Ouais, ben on peut y aller. Mais on n'est pas riche. On n'est pas riche du tout. Ben on passe la manche, voilà. Bah ben, vas-y, on passe la manche, voilà. Mais si on meurt, c'est ta faute. Hein. Bon, en même temps, je vais leur faire découvrir un petit peu les autres trucs avec la bête. Alors. Hop. Oh putain, je suis parti où? Comme un gros con. Oh putain, ouais. Je suis passé là. Merde. Oh là là. Je crois que je suis... Oh, le gros con. J'ai sauté à côté. Oh, c'est bon, je vais aller activer tous les trucs, hein, parce que je vois que t'es en galère. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, j'ai pas eu le temps. Bonjour. Ah bah, ouais, bah du coup, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Le truc là, ça va l'activer, on va l'activer. C'est un téléporteur. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Et là, on a une plaque de police de... Ah, voilà, voilà. Bravo. Tu sais, comment expliquer un tutoriel, enfin un truc, quand t'as des millions de zombies, hein? Parce que moi, j'aime bien faire ça quand il y a plein de zombies. Par contre, je vais pas pouvoir te sauver la vie. Hein. Eh ben, tu me sauves pas la vie, c'est parfait. Ne t'inquiète pas. T'as pas pris d'armes? Non. Mais bah, c'est comme ça. Mais il y a des munitions là-bas, mais je peux pas y aller, il y a trop de zombies. Mais bah, tu fais le tour. Non, ils disparaissent, non. Cours. Oh, bien. Bonjour. Salut. Voilà, je vais regarder dans le... Voilà, ouais, mais c'est quoi que t'as pris comme arme? Ah ouais, c'est celle qui était accrochée. Attention, derrière toi. Ouais, j'ai vu. Bah non, je sais pas. Ouais. Oh, le moti. C'est pas grave. Ouais, mais au pire, tue-le. Hein. C'est pas grave. Va dans le téléporteur, tiens. Pour leur montrer vite fait. Ah ouais, mais tu pourras pas. Ouais. Mais si tu. Ta 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 ta.
Par contre, n'activez pas ces pièges-là, c'est des chaînes. Ouais. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Voilà, ça va vous tuer. Il y a des chaînes qui passent là. Ah oh, putain, voilà. Ouais, bien joué. Bien joué! Il y en a un troisième, fais gaffe. Ah, le shoot. Oh, il y en a un quatrième. Oh putain. Non! Mais bah, c'est n'importe quoi ce jeu! Ah bon, c'est pas grave. En tout cas, vous avez vu tout à l'heure le métro. C'est là où il faut aller. Vous allez dans le métro. On est à combien là? On a déjà une demi-heure. De toute manière, le métro, vous allez voir des insignes dedans. Des signes comme des trois flèches, une étoile, des trucs comme ça. Bizarrement fait, d'ailleurs. Et il va falloir les retenir. Mais toi, la Mystigra, je crois que tu en connais un peu plus sur le sujet. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, tu as vu avec tes potes et tu t'en savais un peu plus. Oui, en fait, il faut. Il faut, pour faire le code à l'endroit, pour pas se tromper, il faut aller dans le trait où il est déjà garé, et puis tu continues à ta destination, et par rapport à là, bah, tu vas voir les symboles, et tu vas devoir suivre ces symboles-là pour aller les mettre en dessous où on est descendu, au mur quand on est en bête, parce qu'on ne voit que en bête, les symboles, et tu les tapes, et c'est bon, ils vont te donner un 9, je crois. Ouais, je crois que c'est un 9. Ouais, je crois que c'est un 9. Oui, il y a un truc comme ça. Je crois que c'est un œuf qu'ils vont te donner et que tu vas devoir mettre sur les statues, les faire, et puis ils vont te donner une épée. Voilà. Bah voilà. Mais c'est parce qu'il y a aussi le coup des statues. On vous l'a pas montré, mais ne vous inquiétez pas. De toute manière, la vidéo du secret va. On va essayer de la découvrir très très vite. Et j'espère que jeudi vous l'aurez. Si c'est pas jeudi, peut-être vendredi, peut-être lundi prochain, j'en sais rien. Je ne sais pas à l'avance. Il faut qu'on y arrive. Le tout faire la vidéo, c'est très difficile. Puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis on a beaucoup beaucoup de travail avec la team parce que bon bah on a le secret à faire. Donc la mystery reste, toi tu seras là. Il y aura l'italien du 6000, il y aura aussi Killer des Enfers, logiquement il sera là mercredi, donc si on fait le secret mercredi, il sera là, même pour mercredi, donc ça sera bon. Et autrement, on a aussi un deuxième secret de la prochaine carte qui s'appelle, c'est très simple, The Giant. Et c'est en fait là où tout a commencé, c'est le zombie, où ce que... World of War, si vous vous rappelez, dans le Call of Duty, le premier du nom avec, pas le premier du nom, mais premier zombie qu'on a eu, et bah, c'était celui-là, enfin, l'un de ceux-là. Et c'était, je crois que c'était une carte bonus, dans un DLC, si je me rappelle bien. Et ça en fait partie, et c'est là où ce que tout, vraiment, tout a commencé. Et il y a un secret aussi à faire, il y a même un bug qui est resté, vous allez dans un endroit de la pièce, c'est resté ce bug, ils ont laissé ce bug, quand vous le fera, on vous le montrera avec l'italien, certainement, mais non seulement il y a ça aussi, et puis beaucoup de choses à prévoir, non seulement on va essayer de faire aussi le let's play, la campagne en let's play de Call of Duty, en sachant qu'il y a peut-être... Je dis bien peut-être, j'en ai pas encore parlé à personne, mais peut-être un tournoi à nouveau qui est de retour aussi. J'en sais pas. Faut voir combien de personnes seraient prêtes à le faire. Un tournoi de quoi? Un tournoi sur Black Ops 3. Un tournoi. Sans blague. C'est là que tout le monde s'affronte dans la team. Et tout le monde s'affronte un par un ou deux par deux. Alors, on s'affronte à quoi? On s'affronte dans un match à mort, peu importe, c'est le commentateur qui choisit ou les abonnés. Ça, Snipe c'est... En fait. Arme ça. Hein Snipe, arme. Et bah c'est pareil, ça sera... En fait, la classe sera faite automatiquement. Enfin, ça dépend. On verra. J'ai pas encore fait les règles. Je ne sais pas. Me pose pas de questions, ça m'énerve déjà. Hein. Bon, on sera pas dans la merde avec moi. Putain, j'ai Bon, mes abonnés, pour ceux-là qui me suivent, ils savent très très bien de quoi je parle. Et on en a fait plusieurs. Enfin, on en a fait deux déjà.
Sauf que bon, bah là, jusqu'à maintenant, on l'a pas encore fait sur PS4 et là j'ai moins de monde donc, sur PS4, donc on va voir, on verra ça. Donc voilà, c'était tout pour le moment. C'est la voix qui vous parle. La voix. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez nous aider un peu plus si vous en savez. Mettez des petits coms en dessous de la description. Et Enfin, likez aussi. et voilà, likez, c'est bien ça. Et aidez-nous surtout. Aidez-nous, s'il vous Aidez-nous. plaît. Help! Aidez! On est en galère. SOS! À Allez, fond. je vous dis à très bientôt! Bye! Salut.